Hier soir au dîner, je suis avec Clochette et elle me dit « En tout cas, monsieur, il nous a expliqué toute l'histoire de Cupidon, pourquoi il était représenté comme un petit garçon qui tire des flèches dans le cœur des gens et alors pff, ça provoque un coup de foudre et du coup, j'ai compris pourquoi toi tu n'as toujours personne. » Ah, je dis « Bah écoute, pourquoi ?» Parce que quand tu pars à Paris, tu as ton sac en bandoulière, tu as ton sac à dos, plus ta valise que tu tires, et ben forcément, ça fait armure. Je dis « Ça fait armure ?» Ah ben oui, parce que imagine un petit peu, si ça se fait Cupidon, il vole derrière toi, il t'a vu et il a repéré quelqu'un, et alors il tire des flèches. Elles vont dans ton sac à dos. Et alors, elles tombent par terre. Faut que t'enlèves ton sac à dos. Mais je dis chouchou. Bien même Cupidon lancerait des flèches à maman. Si les flèches doivent vraiment arriver dans le cœur de maman, elles arriveront. Hmm? C'est pas quelque chose qu'on force. Et peut-être que tu en as déjà raté plusieurs. Non, je dis chouchou. Ça ne sert à rien de se dire que peut-être qu'on a loupé, qu'on avait reçu une flèche, mais qu'en fait, on n'avait pas compris qu'on avait une flèche, qu'alors on aurait dû en faire quelque chose. Parce que quand tu reçois une flèche, tu le sais. Oui, mais parce que j'ai pensé aussi, fais tellement d'exercices là, avec ton yoga le matin, bah, que ton dos, il est peut-être trop musclé. Et alors, les flèches, elles ne... Je dis chouchou, le jour où Cupidon décidera que c'est le bon moment pour maman, c'est que ce sera le bon moment. Oui, d'accord, mais enfin bon, il n'est quand même pas très rapide. Oui, 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 en effet. Visiblement là, depuis un moment, il prend son temps. Mais peut-être que c'est important qu'il prenne son temps. Il finira bien un jour par arriver. Enfin, je ne pense pas que maman a pour vocation de rentrer dans les ordres. C'est quoi les ordres? De consacrer ma vie à... Je ne vais pas me mettre une robe de bure, je ne vais pas... C'est pas ça mon chemin. T'es sûr? On va patienter. Ça finira bien par arriver au bon moment.